Hello, hello, salut la team. C'est encore moi, c'est Patrick. Je vous fais cette vidéo ce matin pour vous parler de la maison, des chambres. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré la porcherie que vous voyez en haut là-bas. Et aujourd'hui, comme promis, je vous montre la maison. Donc, la dernière fois que vous avez vu la maison dans la vidéo précédente, elle était encore en chantier. Il n'y avait rien qui était fait. Ce qu'on avait pu voir, c'était les murs qui étaient montés. Eh bien, quelques semaines sont passées. Les choses ont évolué au niveau de la ferme. Et vous pouvez voir que maintenant, on a une toiture, des portes, des fenêtres. Et même, regardez là-bas. Des chaises. Voilà. Donc, on va s'approcher ensemble pour que vous puissiez voir. Déjà, pour le bruit, je vais vous montrer, ce sont les artisans qui sont en train de travailler encore. Hein. C'est pas encore fini. Mais là, faut qu'on sache où on en est. Donc, il y a quelques semaines, comme je disais plus tôt, il n'y avait presque rien. Et là, on peut dire que tout est fini. Hein. Regardez la toiture. Le menuisier est passé. Il a posé la toiture. Ici, nous sommes sur la terrasse. Bientôt, on va entrer dans les chambres. Voilà la terrasse. Tout est bien. Tout à l'heure, on a nettoyé. C'est pour ça que vous pouvez voir les balais qui traînent à terre et tout. Donc, voilà la première chambre. Ici. Comme vous pouvez voir, c'est une chambre maintenant. On peut parler de chambre maintenant. On peut parler de chambre maintenant. On a entreposé notre petit matériel ici d'abord. Et peu à peu, quand les choses vont commencer à venir, on va bien s'installer. Donc voilà la première chambre. Vous pouvez voir, elle est bien éclairée. Attendez que je ferme la porte, que vous pouvez voir le courant d'air. Voilà, regardez. La lumière qui rentre. Voilà. On a pris des fenêtres en arco. Comme vous pouvez voir ici, la fermeture, l'ouverture, voilà. Tranquille. Tranquille. Encore ici, encore. Tranquille. Tranquille. Je vous montre derrière ici. Tranquille. Tranquille. On ouvre. On ouvre. Eh bien, voilà. La porte, la vachette et tout. On continue. Là, la seconde chambre, celle qui m'est destinée. Les artisans travaillent encore sur les fenêtres ici parce qu'il y a des choses à rattraper. Donc, elle est un peu plus petite que celle qui est juste à côté. Mais c'est le même principe. Le même principe. Donc, là, putain, c'est dur. Bon, d'accord, après. Ça ferme, ça s'ouvre. Donc, je vous avais parlé des chaises, les voilà. Donc, maintenant, après 2 ans à s'arrêter, à bavarder, à cogiter ici comme ça, on est arrivé au point où on a fait fabriquer nos chaises avec le reste du matériel qu'on avait, pour pouvoir profiter pleinement de l'espace qu'on a. Donc maintenant, on est dans l'espace de repos. Petit à petit, les choses se mettent en place. Je fais le tour. La dernière fois ici, c'était bien broussailleux. Mon collaborateur a nettoyé, mon partenaire. Il a bien nettoyé. Et ici, vous pouvez voir l'arrière. Attendez que je... Voilà. On les laisse terminer leur travail, après on pourra venir voir. Donc, cette vidéo va s'arrêter là. Dans quelques semaines, on pourra apprécier ensemble, pardon, l'arrivée des premiers cochons sur la ferme. Et bon, ce qu'on peut demander, c'est que Dieu nous donne la santé, longue vie et aussi beaucoup d'argent pour pouvoir aller plus loin. Merci les amis, c'était Patrick.
Et vraiment, soyez concentrés, soyons concentrés tous afin d'atteindre nos objectifs. Merci.